Bonjour et bienvenue dans le 79e épisode de mon Let's Play sur Skyrim. Alors, dans le précédent épisode, on avait récupéré un fragment d'Aetherium. Et je crois que je vais faire cette quête-là, de récupérer tous les morceaux. Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais tenter. Alors, il me semble que je suis... Oui, voilà, Normalement, j'ai vidé mon inventaire. Voilà, j'ai vidé... Bon, Est-ce que je garde Gertrude ou pas? Allez hop, ça m'amuse. C'est un honneur de vous revoir. Allez. C'est quoi ça? Ok. On va garder Gertrude. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'ai quand même pas mal de bordel. Est-ce que j'ai encore de la nourriture? Oui. Bouquin, j'ai rien. Ouais, donc on va aller chercher les fragments d'Aetherium. Le cercle est un petit groupe composé des guerriers les plus expérimentés, les plus loyaux parmi les compagnons. Bon, alors... chercher les fragments. Ok. Et je n'ai pas fait ça. Attendez. Je l'ai déjà fait? Non. Mais comment ça se fait que je puisse y aller directement comme ça? Déjà allé? Non. Bon, bah, on va y aller. Hein. Allez, allez, allez. Voilà. Oui. Je suis surpris. J'ai pas souvenir d'être allé dans le coin là. Bon, bah, tant pis, ça m'évitera de faire du chemin à pied. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. Oui. Par ici, vous sortirez d'ici les pieds devant. Ouais. Ah mais putain, je suis... Voilà, bon. Allez. T'es où? T'es où? Ok. Allez. Allez. Oh bah, mais c'est quoi ces trucs-là? Ah oui, ça c'est... Bon, normalement, il me semble que les combats... Je sais pas comment vous pouvez supporter toute cette lumière. Bah, je fais comme toi, je... Oh, on leur prend pas la dague, hein. On s'en fout de la dague. Je fais comme toi, j'attends que ça passe. Bière, je m'en fous. Crochet, flèche, voilà. Ouais, donc, quand il y a les cinématiques, c'est que le combat est terminé, normalement. Pour l'instant, j'ai pas souvenir d'avoir vu un... Qu'est-ce qu'il y a? On se fait-il qu'il y a un bouclier là? Bouclier à bande. Bandit. Bouclier à bande. Non! Bon, tant pis. Alors, bon, bah, on y va. J'aimerais bien utiliser un peu plus mon pouvoir de vampire. Faudrait peut-être que je m'y mette. Alors c'est encore un truc d'OMR, je suppose. Ouais. Vu l'architecture. Ah mais oui, j'y étais. Je suis déjà venu ici. Bon bah tiens. Tiens voilà, tu t'es réveillé mort. Spadon d'acier, spadon d'acier, ok. Ouais, c'est lourd ça. Pour le moment, je sais pas qu'est-ce qu'on peut en faire de ces trucs-là, des trucs d'Oemer. Alors, j'étais venu, je n'avais pas. Ok, comment ça marche? Ah ouais, non, c'est pas la peine d'y aller. Gertrude, elle va rôtir sur place. Alors, bol d'Oemer, ouais, hop. C'est pas un coffre ça? Non. Qui va là? Bon. J'avais bien entendu quelque chose. Allez. C'est tout? C'est fini? Non, il... Ok. Qui
va là. J'avais bien entendu quelque chose. Ah là. Bon bah... Il faut pas un pli, c'est vraiment de la gnognotte, hein. Arc de chasse, ok. Des pommes, des poires et des scoubidoubidou. Wow. Armure en peau, non. On va voir le blé. Ça y est, c'est reparti avec les... J'imagine qu'on peut les fondre, qu'on peut le fondre, le métal de Hammer. Alors, où ils sont les deux autres? Là, ils sont là. Araignée de Hammer, ok. Et bon, on va tout prendre. Crochet. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? Chercher le coffre. Bon, ben, on prend, hein. S'asseoir. J'aimerais bien un truc pour désactiver le feu. Ça m'arrangerait bien, parce que... Sinon, elle va encore se prendre plein de dégâts. Ah, un bouquin. Les guerres de l'Ethereum. Oh, ça, je l'ai. Je l'ai déjà... Ouais, c'est... Ok. On l'avait pris dans le précédent. Peut-être pas dans l'épisode précédent. Tiens, fais voir qu'est-ce que je peux faire avec... Ouais, bon. Par contre, ce qui serait intéressant, c'est de savoir en quoi va consister l'amélioration. Là, on ne le sait pas, donc c'est pas... Prendre pomme de terre au four, bah oui. Du pain, du vin et du boursin. Prendre carotte. Rien pour ouvrir. Bon. Eh ben. Ok, ah bah oui, bah c'est ça. Voilà. Allez, viens ici, toi, viens ici pour prendre ton coup de... Alors, comment vous avez réussi à parvenir jusqu'ici? Mais vous n'irez pas plus loin. Mais qu'est-ce qui lui a pris? On était 3 contre 1, puis... Bah tiens, on va prendre ça. Un vêtement raffiné, je m'en cogne. Je suis pas le genre à mettre des vêtements raffinés. Ah putain, j'ai pris des lingots de Hammer et... Ah, clé du consortium d'Irgdrang. Oh là. Il est temps d'en finir. Ah, les scélérats, normalement, ils sont plus chiants. Merde. Voilà. Bon, ben, au suivant. Crochet. Bon, alors ça c'est ouvert par là, mais on va fouiller. Un petit bouquin. Bon, je sais pas si je l'ai ou pas, mais je vais le feuilleter. Ah, puis j'ai toujours pas lu, j'ai tout un stock de bouquins à lire, et plus ça va, plus il y en a. Ah, j'arrive pas à trouver le temps de les lire. Ça c'est trop lourd. C'est quoi? Charbon de bois. À quoi ça pourrait servir? Je prends, on sait jamais. Bon alors là, machin. Lingot de fer. Lingot d'or. Minerai de fer. Engrenage de... Ah ouais, mais ça pèse une tonne. Il n'y a pas moyen d'ouvrir ces saletés de porte. Je sais que c'est normalement c'est celle quoi.
Ah, si. Normalement, c'est celle qu'on vient de faire, là. Enfin, oui, c'est l'entrée. Oui, en face de l'entrée. Ben, on va essayer de la déverrouiller quand même. C'est quoi ça? Pourquoi j'ai plus mon capuchon? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mon. Ben, j'ai plus mon. Ah, bah, je devais avoir une broche ou un amulette. Une amulette. Bon, on va essayer comme ça. Non, ça va plutôt dans l'autre sens alors. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait de mon. J'avais un truc pour être meilleur. Ah, encore un bouquin. Étude des doigts meurs. On l'a pas déjà fait ça? Bon, ben, de toute façon. J'ai dû vider, en vidant mon inventaire, j'ai dû le déposer. Bah tant pis. On récupérera la prochaine fois. Bon, j'espère que le truc d'OMR, on peut le fondre et puis faire quelque chose d'utile. C'est quoi ça? Masse de fer, ok. Chercher coffre. Bon, on va sauvegarder parce qu'à force, je vais tomber sur un casque elfique. Améthyste. Étui d'Oemer. Étui d'Oemer. Non, mais ça pèse trop lourd, ça. Je prends les trucs d'Oemer parce que je pars du principe qu'on pourra les forger, mais si ça se trouve, c'est une connerie monumentale. Ça, rien. Mais pourquoi tu t'en prends à Gertrude? Pourquoi tu t'en prends à Gertrude? Ma pauvre petite Gertrude. Alors, attendez. Mais pourquoi c'est elle qui prend? Touché apaisant. Merci bien. Je me sens mieux. Oui, mais c'est normal, Serena. Ok. Où t'es au niveau des points de vie? J'arrive pas à voir. Bon, on va lui parler. Manipulation. Statistique. Santé 109. Bon, ben, j'ai l'impression qu'elle. Elle doit aller mieux là. Ouais, on va vider un petit stock de magie et hop, on se rééquipe. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux ton biscuit, mon pépère? Une petite seconde. Heureux. Oui, bah finalement, il n'a pas voulu son biscuit. Hein. Bon, on va sauvegarder. Hop. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle fait là, l'araignée? L'araignée travailleuse doit meurtre, ouais. Mais pourquoi l'attaque en permanence voilà. Putain, mais ils me l'ont tué. Ils me l'ont tué. Pourquoi ils s'en prennent systématiquement à Gertrude? Normalement, c'est censé être une bonne combattante.
Allez. Allez. J'ai oublié de me mettre devant pour prendre les dégâts à sa place. Engrenage. Bon, on va le prendre celui-là, mais pas l'autre. C'est le même. Grenade, huile, levier. Ok, bon. Je vais finir par plus avoir de place alors qu'on vient d'arriver. Engrenage, hop, gemme. Non, il n'y a rien à récupérer là-dedans. Commenter au niveau santé, j'ai retrouvé. Fait chier, je vois pas. Santé 182. Oui, c'était à 109 tout à l'heure, donc elle ne doit pas être si mal que ça. Et pourquoi tu es en mode sneak, Serena? Bon, bah tant pis, elle est en permanence aux aguets. Alors on sauvegarde. Donc ça c'est du liquide inflammable. Hein. Ah putain, ça aurait été trop beau ça. Bouge un petit peu. Voilà, parfait. Crochetage, augmentation jusqu'à 51, parfait. Allez, on va prendre seulement ça. Je peux pas ouvrir. Apparemment. Ah, j'ai pu voir. Ouais, bon, c'est bon, j'ai retrouvé des points de vie. En tout cas, c'est abandonné depuis longtemps, mais les machines tournent encore. Hein. Mais voilà, regardez. Voilà, c'est fait. Si j'ai retrouvé, et puis elle prend sévère, mais ok, encore un truc là. C'est un piège, ça. Oh putain. Comment? Bon, je vais voir si c'est un piège. Oui, c'est un piège. Eh ben, Gertrude, elle va prendre cher encore. Comment je vais passer? Allons-y. Attends ici. Allez-y, je monte la garde. Et toi, c'est pareil. J'adore chasser le dahu dans toute la province, comme vous voulez. Je vais essayer de passer et de trouver un truc pour désactiver ça. Ça doit être désactivable, non? Ben, a priori non. Peut-être en cassant le... Oh, il y a quelqu'un là-haut. Ah putain, c'est... Font chier ces saloperies. Ah putain, ça marche pas avec elle. Ah ouais, non mais... Allez, allez, putain. Non, 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 descend, 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 descend. Ben voilà. Putain, je t'ai dit descendre, bordel. Allez, venez, venez, venez par ici, venez par là. Ah, c'est de ma faute, j'aurais pas dû redescendre. J'aurais pas dû redescendre. Allez. Oui. Attendez ici. Comme vous voulez. Parlez. Nous sommes arrêtés. Que se passe-t-il? Je veux pas que tu meurs. Allez-y. Je monte la garde.
Bon, et hop, on sauvegarde. On va même faire une sauvegarde normale. Allez, hop. Ah, quelle bourrine, ces deux-là. Hein. Mais j'avais pas pris tout ça. Bon, désolé si vous en... Oh, putain! Ah, il y a quelque chose qui doit les déclencher, là, non? Parce qu'elle s'est déclenchée seulement quand j'ai approché. Ou alors, c'est normal. Ah oui, eh ben, bravo. Bravo. C'était pas prévu au programme, ça. Bon, on va récupérer. C'est par contre... commune, d'accord. J'avais lu consommer. Ouais, elle se déclenche automatiquement. Comment je me suis fait toucher tout à l'heure? Parce que je me suis pas fait toucher qu'une seule fois. Hein. Donc là, on peut pas passer. Allez. Ah, putain. Ah merde. Allez, allez. Voilà, on en bute un. Merde. Allez, non, mais tu vas mourir. Voilà. Ok, c'est tout, il n'y a plus personne. Bon, je vais pouvoir régénérer un peu. Bon, je vais pouvoir prendre ça. Gyrostar, ouais. Metal Dwemer, c'est... Ah ouais, non mais... Putain, mais ils font chier d'avoir plein de trucs à vouloir. Je récupérerai. Mais non, mais c'était pas ce que je voulais. Je voulais... Bon, ok. Carreau, ferraille. Allez hop, on laisse. À force, je vais être plein comme un neuf. Peut-être que j'utilise le feu après tout contre ces saloperies. Je sais pas si ça marcherait ce soir. Gyrostal, engrenage. Un petit coffre là. Allez hop, on va essayer. Je sais que j'y arriverai pas, mais on va essayer. Ah mais donc là j'ai déjà un bon début. Oui. Dans l'autre sens. Non. Waouh, c'est vraiment... C'est vraiment très 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 précis quand c'est au niveau mètre. Merde, putain je relâche pourtant. Ah bien. Dague d'acide givre. Ouais, bon, on va prendre. Par contre, ouais, on va prendre le levier aussi. Bon, je vais sauvegarder parce que je suis content d'avoir réussi à... Oh putain. Allez. Pourquoi les travailleuses, elles m'embêtent? Minerai de fer, voilà. Elle est morte, l'autre? Non, elle est pas morte. Ah putain, mais elle me saute dessus. Bon voilà, maintenant elle est morte. Huile. Améthyste.
Bon. Ah bah. Qu'est-ce que c'est ? Pas très engageant comme truc, ça. Qu'est-ce qui va se passer là? On est où là? Ouvrir, ok. Situation actuelle. Grand marché? Grand marché. Donc oui, c'était bien une, c'est des villes souterraines. Oh putain. Ouais, non, mais j'ai bien fait de laisser mes greluches. Est-ce qu'ils ont, elles auraient mal vécu la rencontre avec ces saloperies. Ok, là ça c'est des Falmers. Alors je répète encore une fois, c'est affectueux quand je dis greluche. Je sais qu'en théorie c'est pas très affectueux, mais là en l'occurrence ça l'est. Bon, j'en ai quand même eu un. Allez. Voilà. Allez, hop, encore un coup. Il y en avait encore un, non? Il n'est pas un... Ah, si, il est là. Est-ce que je peux l'avoir avec l'arc? Où t'es, mec? Ah, t'es là. Non. Oh oui, bien joué. Pas mécontent de mon tir là. Voilà, bon. Le ya, tu te le gardes. Alors, on se rééquipe. Chair humaine. Du cuir, hein, ça fait toujours plaisir. Chevalier de tannage, ouais, ça je vais pas. Ashfalmer, ça vaut de la merde. On va prendre le cuir. Ah putain, c'est lourd le cuir. Qu'est-ce qu'il y a là? Ok, ils ont un élevage de Ragnar. Bon, on va le laisser en vie. Il ne me gêne pas. Tiens, vous ne pouvez... Ah ok, je peux pas utiliser ça pendant un combat. Voilà. Bon, le combat est terminé maintenant. Vous ne pouvez pas utiliser ça pendant un combat. Il y a encore une bestiole. Où? Bon, tant pis pour l'instant. On va s'occuper. Flèche de parjure. S'il y a une bestiole, eh ben, elle viendra. Farinos, ok. Non. Alors c'est le nordique. Ah, il y a encore un Falmer là. Bon, il n'y a plus rien dessus. Où il est? Où il est cet ennemi? Il y en a deux. Mais je comprends pas là. Bon, eh ben je comprendrai, enfin du moins j'essaierai de comprendre la prochaine fois. Parce que là il est l'heure. Il est l'heure, mon signor. L'heure de se réveiller. Bon, ben ils doivent être en hauteur, je pense. Devait être là-haut.
Ouais, ils doivent être là-haut, a priori. Hein. Bon, donc, c'est pas grave. Ah, tiens, j'ai pas été voir dans la petite cahute, là. Bon, il n'y a rien. Mais on va s'y installer pour la nuit. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, partager les vidéos, à mettre des pouces, à regarder mes autres séries ou vidéos. Voilà, merci, au revoir.